congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré samedi 8 avril 2023 à l'hôpital militaire de la garde républicaine. Cette formation médicale ultramoderne de niveau tertiaire, équipée de matériel de dernière génération, permettra la prise en charge au pays de cas complexes de maladies qui jusque-là étaient transférées à l'étranger. Cet hôpital comprend plusieurs services spécialisé, comme le précise ici le colonel médecin Mbouyou François, médecin directeur. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines psychiatriques, la stomatologie, dermatologie, l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la vente du sang, l'hémodialyse, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée comprenant la chirurgie pédiatrique, urologie, orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ce service, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en hématologie et en néphrologie. Dans son mot de bienvenue, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, commandant de la garde républicaine, a au nom de militaires de FARDC et de leurs dépendants en général et à ceux de la garde républicaine en particulier, remercié les commandants suprêmes pour son souci permanent de bien-être du militaire congolais. De tout cœur, nous vous remercions, sincèrement avec gratitude, du fait de vouer à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. Nos remerciements s'adressent à l'éternel Dieu ayant le destin des humains entre les mains et ayant permis par la tenue de son humble serviteur prédestiné pour gouverner ce pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qui s'est personnellement impliqué pour changer à mieux ou encore remettre à neuf les infrastructures vieillissante de l'hôpital et du mess des officiers et sous-officiers. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a souligné l'importance de cet hôpital militaire de référence qui vient contribuer au programme de santé universelle prôné par le chef de l'État. L'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchadji de niveau tertiaire
d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos militaires et leurs familles en premier lieu, mais aussi de la population civile environnante. Ainsi, cet hôpital fait partie intégrante de notre système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la construction de l'hôpital militaire du grand lieutenant-colonel Tchatchi est le résultat de la matérialisation de la première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos vaillants soldats et leurs familles. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République, accompagné des autorités politico-militaires, a visité les différents services de l'hôpital. La manifestation à l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi s'est terminée par une séance de photos souvenirs, puis par l'inauguration de messe des officiers et des sous-officiers et de la garde républicaine. Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état-major général des FRDC au Nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire régional de Goma au camp Katindo, où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi, hein, roho yake iko kwenu. Parce que moi je m'appique vita, na kama mko hivi ni juu ya vita. Ndio mon général. Instruction qui allait chakuleta ni kumiapuyer. Hein, kumiapuyer non pas kumiacha hivi. Mimi shitalala takwa toujours na mikumbuko kila wakati. Merci afande. Vile mimi nime nakaka njoo paka vile tutaendelea parce que soin yote iko gratuit. Merci afande. Donc après la semaine de kauze kama ni dawa wapi hapana. Peu après, son cortège a pris la direction de l'aéroport international de Goma, où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment, réparé avec le concours de l'expertise congolaise, comme l'a expliqué le pilote Ben Tenatena de l'armée de l'air. Voilà, vous avez un avion réparé sur cet hangar. Oui, c'est comment ? Sans ordinateur, avec nos propres moyens de bord. Si on pouvait envoyer cet avion à des îles, ça pouvait nous prendre 6 mois avec des sommes qui vont. Mais à l'espace d'une semaine, que la bénédiction du commandant opération Kivu, 3 jours cet avion revient. Nous les Congolais ne sommes pas moins. Il suffit un coup de pouce, nous allons faire mieux que ce que nous pensons des petits guébos. Ça c'est très bien. Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, Guillaume Ndike. Je voudrais savoir que c'est lui le patron des armées. À ce titre-là, il a visité non seulement les troupes qui sont engagées dans les opérations, mais aussi il était très important pour l'autorité de venir voir, n'est-ce pas, la force aérienne. Rappelons que durant tout son séjour, le commandant en chef de l'armée était accompagné par le militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités. Mission de travail dans la province du Haut-Katanga. Le chef d'état-major général des FARDC a visité ce mercredi 12 avril 2023 le centre d'instruction de Moura. Sur un effectif attendu de 7000, ce centre compte déjà 4017 recrues. Le chef d'état-major général des FARDC est revenu pour sa deuxième fois ici au centre d'instruction de Moura, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Et c'est après son premier passage où 3 mois de vivres ont été prédispositionnés pour la bonne formation des recrues comme voulu par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Tio et Songesa Christian a tenu une causerie morale à l'intention de ses recrues déjà en formation. La discipline et le patriotisme ont été parmi les points développés par le chef d'état-major général. Askar, Majesh, Yaliboso, Nalingi, Nakomisa Mbote, Ya commandant suprême, Nabino Nyonso, Bayebo Fandi, Awanamura.
biso toye kota la bino lelo bino bolandaki appel ya mokonzi ya mboka bolobi tokende toyekola mosala oyo ya mampinga de façon ke toprotege tobatela mboka na biso bokoti na mosala arme lokola bavolontaire na mosala na biso ya arme eloko moko toexigeaka c'est la discipline ngai naza ancien ya awa soki oyoki banamura banamura ngai nde na forma bango awa discipline soki balobi bokende kolala na ngomba owana kolala parce que eza na kati okosala formation kitoko kaka soki oza discipline soki okoti mosala ya romain eloko ya liboso kobatela mboka na yo oyo nyonso akoya po ayiba kitandi ndambo ya mboka esengeli kobundisa ye ya mibale kobatela population nyonso oyo nalobi awa nakolobela ngo na eloko moko bolingo ya mboka linga mboka na yo. Cette visite a réconforté ces jeunes qui ont répondu massivement à la mobilisation générale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC. Demoura, le chef d'état-major général, s'est rendu ensuite à l'Africaine d'explosifs. Ici, il a été accueilli par le grand amiral Liwangamata Nyamunyobo, directeur général de cette entreprise de l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23-RDF selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromanes sapeurs-pompiers orchestré de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au Mont Nyindou, en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposer la jeunesse de ces milliers communément appelés les Wazalendu au M23-RDF n'engage en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ce fait, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard processus en cours. Le commandement des opérations Sokola 2 Nord Kivu a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation des 59 combattants dits Wazalendo, dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit des miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé Éveil des Patriotes pour la Libération du Congo, EPLC en sigle, dans la zone de Kibumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du Mont Nyundo, zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis belle lurette. Les porte-parole des FARDC Sokola 2 soulignent que l'armée royaliste n'opère pas avec ses Wazalendo. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume l'a précisé après la présentation de ces Wazalendo et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent de leur propre gré indépendamment des FARDC. Ils ajoutent qu'ils agissent pour défendre la patrie. Aujourd'hui, tu vois, Tembea, tu vois, c'est réellement comme Abali Chatoka Maïle et Néo. Subitement, tu vois, Koutana, Bakanja, tu pigas au massage. Mais quand on a tout piqué au massage, tu peux tellement que tu as tout qu'au faire des essais, tu n'as rien à faire des essais. Faire des essais, il y a ce qui est à qui le coup, le coup, à attaque. Il y a quoi, tu as collaboré à faire des essais, Koussema, tu vois, j'ai laissé les faits. Notons que les FARDC ont saisi les différents mécanismes impliqués dans la pacification de la sous-région et une réunion a été tenue au bureau de Sokola 2 pour cette fin. Les troupes
de la force de défense du peuple ougandais sont arrivés ce jeudi 30 mars 2023 à Bunagana et ont été reçus par le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Nyaga, accompagné de son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Kaputa Kasenga Emmanuel et du chef d'état-major de la force régionale, le général de brigade Mikaël Kibouye, ainsi que d'autres officiers de la force régionale. Le général Nyaga a rappelé au contingent ougandais leur mission suivant les recommandations des chefs des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a, par la même occasion, réconforté la population de Bunagana en ces termes. La force régionale est là avec vous. Ma présence en ces lieux se justifie pour accueillir les contingents ougandais qui sont venus se joindre à la force régionale après celui du contingent kenyan et du contingent burundais dans un seul objectif de ramener la paix avec l'aide de tout le monde, car seule la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ne sera pas. Je vous rassure, la sécurisation sur l'axe Bunagana-Rutshuru et Rutshuru-Goma. Rappelons que ces troupes s'ajoutent à celles du Burundi et du Kenya. De plus, le déploiement des contingents du Soudan du Sud est prévu en temps voulu. Un bureau conjoint composé du comité ad hoc, du mécanisme conjoint de vérification et du mécanisme de surveillance et de vérification de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu lundi 10 avril 2023 à Kitsanga et Mweso dans les territoires de Masisi au nord Kivu. Le général de brigade Eline Diziguié, chef de la délégation et coordonnateur du mécanisme de surveillance et de vérification de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous fait savoir les points sur leur mission. Oui, aujourd'hui, lundi, le 10 avril, nous sommes les trois mécanismes de vérification. Nous sommes rendus à Kitsanga. Les points ordre du jour étaient de vérifier tout d'abord aussi le désengagement d'M23 est effectif à Kitsanga. Deuxièmement, c'était pour nous rassurer si les éléments le cessez-le-feu est très respecté. Et troisièmement, c'était pour vérifier aussi si le droit de la personne humaine et les biens de la population sont protégés. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a, pendant la vérification, assuré la sécurité des membres des mécanismes de vérification, la sécurité de la route et des villages durant les parcours et assuré enfin les retraits du M23 dans les zones. Pendant que d'autres disent que le retrait du M23 n'est pas effectif, il est plutôt disséminé dans la population ou encore dans les collines surplombant de Mweso et Kitsanga. D'autres, par contre, confirment le retrait du M23 et accentuent sur l'insécurité due par d'autres groupes armés et violations des droits humanitaires. Ils se sont retirés définitivement ce vendredi passé. La présence des EAC ici nous rassure la sécurité, mais aux alentours d'ici à Kitsanga, rien ça ne va pas. Compte tenu de l'insécurité des troupes armées qui se sont installées des collines d'ici, donc rien ça ne va pas. Et on craint beaucoup que les infiltrés aussi puissent entrer ici, sachant que les M23 ne sont plus ici. La discipline, la sécurité, le vagabondage, l'identification des occupants des camps militaires ont constitué le lundi 10 avril 2023 l'essentiel de la causerie morale du commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa, le général-major Kizimombuyu Stazan, à l'intention des unités de la garnison de Kinshasa, à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo. À cet effet, le commandant de la 14e région militaire a beaucoup insisté sur la discipline, la mère des armées. Il a ensuite exhorté les militaires au travail et d'éviter le vagabondage aux heures de service. Hey, 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 hey
Le Nzango Club du bataillon qui gère de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a remporté le vendredi 31 mars 2023 le tournoi de Nzango organisé par les forces armées de la République démocratique du Congo du 28 au 31 mars 2023 au camp lieutenant-colonel Kokolo à l'occasion du mois de la femme. Ce club a battu l'équipe de Nzango du corps de génie sur les scores de 63 à 43. Ce tournoi a connu la participation des unités des forces armées de la République démocratique du Congo, de la garnison de Kinshasa. Il s'agit notamment de la force terrestre, de la première zone de défense, de la force navale, du corps de génie, corps logistique, corps des troupes et de transmission, du service de communication et d'information des forces armées, du commandement général des écoles militaires, de la 14e région militaire, du bataillon qui gère de l'état-major général et du service de rééducation civique et action sociale. Cette finale de Nzango s'est déroulée en présence du général-major Sadiki Maboko, représentant le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, du commandant adjoint de la première zone de défense chargé de l'administration et de la logistique. Il a, à cette occasion, remis les enveloppes aux équipes participantes. Il a félicité toutes les équipes pour le courage et la discipline manifestées tout au long du tournoi. C'est ainsi que, pour ne pas monopoliser la parole, je demande au personnel militaire féminin de faire preuve de discipline et de fair play tout au long de ce tournoi qui commence aujourd'hui et dont la clôture est prévue ce vendredi 31 mars 23. À vous, officiels et arbitres, je vous exhorte à faire preuve d'impartialité et de respecter scrupuleusement les lois sportives qui vous sont dictées par la Fédération congolaise de Nzango. Je vous souhaite bonne chance à tous et que la meilleure gagne. Cette compétition de Nzango visait le renforcement de l'esprit des corps parmi les personnels militaires féminins PMF de la garnison de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par un défilé de troupes participantes. Après la cérémonie, le colonel Kazumba Dinanga Victor, commandant bataillon Grand Kijé de l'état-major général, et la capitaine de l'équipe Mandengo Mimi ont livré leurs impressions. Je pense que le bien chef d'état-major Zalaki, il y a pourtant des esprits d'équipe dans la carte de la PMF. Et puis les lettres de Mme Zali, le col à Baleno, Bana à Baleine, Bazui, enveloppe et à monnaie, non, mon compte à bon, c'est là qu'il faut un abisso. La PCP Bande de la presse, merci Mingi, on a visibilité au Bango Basali. Congolaise, Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Na
Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka Nabiso.